Bon, re, allez, ça suffit les conneries. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons... Alors, il est temps d'ajouter vos premiers larbins. Bon, alors, les larbins, qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Je ne sais pas à quoi ça sert. Je découvre le jeu en même temps que vous, hein, j'en ai aucune idée. Invoquer. Alors, ah ouais, en fait, on invoque des mobs. On met des mobs dans notre château pour pas que les... Ah ouais, d'accord. Les gens passent. Alors, juste 2 secondes. Ah, bon, ok, je vais acheter des créatures, il sera content. Donc j'en mets genre un là, c'est ça? Parce que j'ai un portail d'invocation juste là, c'est ça? Ok, défense 1 sur 36. Ouais, très bien. Et degré de défense. Ce chiffre indique votre degré de défense actuel. Votre château possède un degré de défense maximum. Améliorer votre portail d'invocation pour augmenter votre degré de défense. Je vais vous montrer comment améliorer votre portail d'invocation. Ok, portail d'invocation. Améliorer. 100. 30 secondes. Terminé maintenant. Non! À 0, très bien. Nouvelle créature disponible, blablabla, invoquée. Ok, les cyclopes. Ah ouais, ça c'est bien. Meurs. Vous pouvez ajouter du boss pour les créatures placées dans la zone de défense. Limité de larbin, on précise. En gros, les autorités ne veulent pas trop que votre château soit trop imprenable, pas très libéral comme attitude, tout ça, mais il faut obéir, que voulez-vous. Autre chose importante, si un héros réussit à piller votre château, vous perdez 20% de leur contenu dans vos réserves, alors tâchez de booster votre défense. Ok, cool. Donc j'imagine que c'est un jeu qui n'est pas adaptable, enfin qui n'est pas gérable pour les streamers. Puisque... Eh bien, on doit se faire chain piller, enfin, je pense. Je vais faire un petit crapaud, parce que j'aime bien les crapauds. Je trouve ça très intéressant. 24 et 25. Voilà. Pour améliorer la protection, j'attends que vous pouvez ajouter des pièges, ajoutez-en un maintenant. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Invoquer. Piège. Achat, mine collante. Ah, ça, c'est un peu de la merde, je trouve, mais bon. C'est pas grave. C'est pas très grave. Bon boulot, votre château devient de plus en plus imprenable. Ouais, c'est clair. Au lieu de one shot, ils vont two shot. N'oubliez pas de placer d'autres créatures et d'autres pièges dès que vous en aurez renforcé un peu tout ça. Pour l'instant, rejoignez-moi au sommet de la tour, je dois vous confier un truc carrément important. Ah, très bien. J'ai interrogé ma conscience, l'ami, et je l'ai interrogé comme jamais. Je crois qu'il est temps, de faire avancer cette collaboration. Vous et moi, nous deux, on va faire de grandes choses et on fait une sacrée team. Non, allez, on se tape un check. Un citoyen n'a pu lancer un tir au profit de la défaite du comte Morvilla pour gouverner la région des Jardins Ardents. Dépêchez-vous de lui montrer qui est le patron. Nouvelle région débloquée, très bien. Cliquez sur la carte de la région. Ah! Masse truc! Donc ça c'est pour PEX bien sûr. Compétition, ça c'est le PVP, j'imagine. Donc là on change de région. Ah ouais, masse truc. Ah là il y a des gens! Quand vous serez prêt, niveau 9 environ, prenez le château de Magin et recommandation à débloquer. Très bien. Créez un défi pour un ami. C'est fait pour ça les amis. D'accord. Ah ouais! Et ça c'est le château des gens? Donc là je vais piller des gens? Et ça se fait trop peur. Je veux pas piller des gens, je suis pas un salopard. Est-ce qu'il y a des viewers là? Est-ce que vous voyez votre nom? Silent 6, machin. Ça veut dire quoi la petite couronne par contre? La petite couronne à côté du truc, ça fait quoi? Les châteaux bleus, c'est les joueurs. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc là, ça y est, il y a tout le monde qui. Votre défense a échoué, machin est entré, machin est entré. Regardez, c'est là où il y a ma caméra. Donc il y a tout le monde qui est en train d'aller dans mon château et ils m'ont tous pillé un par un. Donc voilà. Votre bouclier est désormais actif. Là, est entré dans la salle du trésor mais n'a pas vidé le coffre. Ah oui, d'accord, parce que voilà. Ah ok, quand on se fait piller 3 fois, ah c'est une défense anti-streamer, c'est bien. Ok. Non mais c'est bien ce que je pensais, hein. C'est ce que je pensais. Ce n'est pas un jeu streamable. Bon, attaquons lui par exemple. Si on fait ça, 5 si vous gagnez, 0 si vous perdez. Bon, alors voyons voir. Voyons voir, qu'est-ce que c'est? Vos autres héros n'ont pas gagné ce niveau, voulez-vous vraiment attaquer ce château? Ouais, ouais, vas-y, on y va! Allons-y! Allons-y! Bon, de toute façon, ça doit pas être forcément des châteaux... Ça peut pas être des châteaux très durs, puisqu'on peut rien mettre dans nos... Dans nos châteaux. Donc voilà. Alors, une seconde. Voilà. Donc là il y a des pièges, des cyclopes. Ah ouais, ah c'est ça les cyclopes. Je savais pas que c'était ça. Hop. Oh, je me fais des boîtes, c'est bien. Ah très bien. Je me fais exploser la gueule. Ah ouais. Ah ouais, je vais carrément perdre. Adieu, c'est la fin. Adieu Zerator. Et ainsi il mourra dans le château d'un viewer. Prends une potion, Zerator. Parce que là le problème c'est que si je m'arrête 2 secondes je me fais charger. Et du coup je meurs, non?
J'en ai eu un. Incroyable. Incroyable. T'as oublié de monter level 5. Ah merde. C'est bien, j'ai pris une potion mais pour rien. Hop. Oh, j'en ai eu un. Enfin, j'en ai eu un. Je l'ai eu avec mon attaque. Ma super attaque de la mort. De la muerte. Go les stun. Ah ouais, les stun, c'est vrai. J'oublie. Vous savez, moi, je suis pas un PG, mais ce jeu. Hop. Hop, hop. D'accord. Ouais, le stun, c'est bien. C'est pas mal. Chaud les drops. Y'a pas de drop. Menteur. Menteur. Si tu payes, tu peux avoir un château hard. Ah ouais? Mais même pas, parce qu'il suffit qu'un mec level 40 vienne sur ton château level 2 et tu meurs en fait. Non? Enfin, ça me semble. Il a mal placé ses mines collantes. Je trouve. Ouais, super! Pourquoi? Ah! Pourquoi on peut pas? Ah, parce qu'il s'est déjà fait piller masse fois, c'est ça? Je pense que c'est ça. Bon. Tant pis. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est parce qu'il faut qu'on désactive le piège? Non, c'est ça? Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je peux un peu plus ressortir quand on est là. D'accord. D'accord. Très bien. Alors effectivement, il y a un peu de la merde dans la proc, vous inquiétez pas, on va fixe. Bon, qu'est-ce que je vais mettre un pouce moyen sur son château. Laissez un commentaire sur ce château. Tu as mal placé tes mines, je pense. Voilà. Compte rendu. Bon, là, il y a tout le monde qui est en train de me piller, pas de problème. Alors, c'est quoi les compétitions exactement? Ah, c'est des... Ok. Niveau 30, très bien. LPP, yeah, you know me. La maison Poulag, Fort Carcasse. Ouais, alors attendez, je vais aller à mon truc, mon château. Et donc là, on voit les gens se battre chez nous ou pas? Ok. Tiens, Panactis, ça va? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Entraîneur de héros. Niveau supérieur. Très bien, très bien, très bien. Voyons voir. Améliorer. Ok, continuez. Alors c'est quoi ça? Faucon plongeant. Là j'ai votre faucon pour une attaque membrane et créature. Ah c'est encore un truc d'AE. C'est encore un truc d'AE. Et en revenant il influe. Ok. Mais alors le problème c'est que du coup j'ai que 4 spells. Donc il faut choisir, c'est ça? Il faut choisir. Non mais là mon combo d'attaque est bien. Ou alors j'enlève mes potions. Non mais je vais rester comme ça. J'imagine. Donc ça c'est le compte rendu. C'est votre journal de combat. Ah ouais, c'est tous les mecs qui vous souillent. Donc il y a un seul mec qui a réussi à m'avoir, c'est Tony. Donc vous voyez, par exemple, lui, il est level 12. Bah, forcément, il a pas beaucoup de problèmes. Lui aussi, 16, niveau 16. Donc voilà. Compétition, c'est des courses contre le temps. Ah d'accord. Ça, c'est quoi? Ami 27, notification 12. Ok. Bon, bah écoutez, on va voir s'il y a une limite d'amis dans ce jeu, hein. Hop 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 hop. J'imagine qu'il y a une limite au bout d'un moment. Et je me dirais fuck my life d'avoir tout accepté, mais c'est pas grave. Défense, pourquoi j'ai 1? Il reste 2h54. Ah 2h54, ah ouais. Bon de toute façon je pense que je me ferai shame piller, hein, j'imagine. Alors je peux me balader dans mon château là un petit peu voir. Ah ouais non, c'est un peu naze. Ouais c'est tout droit, hein. C'est un peu de la merde. Alors comment on rajoute des pièces ici, j'imagine? Je sais pas. Je comprends pas très bien, mais à mon avis, ça va le faire. Ça va le faire. Tu peux voir les redives dans ton compte rendu. Ah bon? Genre si je vais... ouais, non mais Osef. Alors attends, bureau de l'architecte, je vais construire des trucs. On peut pas du tout. Salle. Hôtel d'intersection. Ah ouais, d'accord. Cross hall. Couloir intermédiaire. Genre si je fais salle d'intersection. Tac. Je la mets genre là. Ah, je peux pas. Très bien. Formidable. Impossible de placer plus de pièces. Ah d'accord, c'est juste parce que c'est genre vous n'avez pas payé assez cher du tout, qu'est-ce que vous croyez gros bâtard? J'imagine. Ok, on peut me remettre des cyclopes? Non, il y a trop de créatures, merde. Piège, je peux pas mettre plusieurs pièges. Ah si, nice. Là. Et là. Voilà, excellent. Génial. Ok. Ah, est-ce qu'on a fait le tour du jeu, là, vous croyez? Forge! Créer des équipements! Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que j'avais fail parce qu'il fallait prendre cette double arbalète, c'est ça? Vous savez quoi? Je vais la tester. Je vais farmer un peu de gold et je vais aller tester cette arbalète de ouf. Tu pourras placer d'autres salles quand ton château aura pris plus de level. Ok, il faut le château niveau 2. Ok, ok, pas de problème. Tu pourras afficher le nom du jeu sur le stream. Mais c'est déjà fait! C'est en haut. Alors, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose parce qu'il y a la... Attends. Là, bien mieux! Bien mieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu penses de cela? Moi, je trouve ça bien mieux.
Mets le cœur dans ta salle de coffre. Quoi? C'est pas le cas déjà? Qu'est-ce qui se passe? Le cœur dans ta salle de coffre. Bah c'est bon. Améliorer. Ah oui, d'accord. 500, 2 minutes. Ok. Et donc là, si je fais terminer maintenant, ça me claque mes super rubis. Et donc ça, j'imagine que c'est la monnaie. Où est le shop? Le cash. Ah, il l'a! Le cash shop. Ok. Ok, donc je vais aller voir un petit peu. Attendez, je vais aller voir comment se passe le modèle économique, parce que c'est assez intéressant quand même de voir comment ça se passe. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut acheter? Donc, pour 9 euros, on a valeur estimée à 18 euros, donc j'imagine que c'est les soldes actuels. On a 15 euros en bling, devise premium. La devise premium, donc c'est les trucs verts, hein, j'imagine. Une page d'inventaire supplémentaire. Ok, bon, détails. Non, OSEF, en fait, des détails. Ouais, vas-y, OSEF, des détails. Accès immédiat à la bêta fermée. Ah oui, parce qu'en fait, cette bêta se termine, je crois, le 7 août. Un truc comme ça, et après, on pourra plus y jouer, ou le 6 août. Et donc après, il faudra une clé, donc soit en l'achetant comme ça, soit si quelqu'un vous donne une clé, je sais pas comment. Merveille en tout genre, valeur estimée à 90 euros, qui est à 40 euros, donc on a 50 euros en bling, un accès immédiat, un skin exclusif au choix de... accès anticipé au mage, une bâche supplémentaire, et bien plus. C'est bien, et bien plus. 130 euros en bling, 100 euros, putain, 100 euros, c'est beaucoup quand même. Des skins exclusifs, un accès anticipé, deux pages d'inventaire supplémentaire, 9 armes exclusives. 9 armes exclusives, est-ce que ça veut dire à votre avis qu'elles sont plus puissantes? On va aller voir. Est-ce que les mecs qui payent 100 euros sont plus forts ou juste ils ont des skins et des trucs comme ça? Voyons voir. Alors, voyons voir. 9 armes exclusives, on les a pas? Ah non, on ne sait pas. Ah, votre nom dans les crédits du jeu, ça c'est marrant. Bon, il y en aura masse. Il y en aura masse du coup. 245 euros normalement, ouais, je vois ça. Incroyable. 3 skins exclusifs des héros, ok, page d'inventaire, armes, créatures, 2 boss, le Terraptor et un accès anticipé au Dragonificus Terriblis. Ça c'est un peu dommage parce que ça... Donc vous savez que tout ce qui est payant dans un jeu pour être plus fort, on appelle ça en général des pay to win. Là étant donné que vous avez des boss, si vous payez, que vous n'avez pas, si vous ne payez pas, enfin ou alors dans beaucoup plus de temps, eh bien c'est un petit peu dommage. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va aller attaquer encore, on va aller attaquer des trucs là. Fatal Fantasy, Tarantula, continuez. Vaincre un joueur dans votre château. Nouvel objectif. Mais comment on fait? Ah, parce que je peux le défendre, mon château? Enfin, comment ça se passe? Genre, je peux rester dans mon château et tuer un mec? C'est ça? Ah non, c'est juste, il faut qu'un mec wipe dans mon château, c'est ça? Il faut qu'un mec wipe dans mon château. Alors, Panactis, machin. Voilà. Alteror x2. Où est le Panactis, par exemple? Panactis. Si je fais, je te parie 100, machin. Ah mais non, pas du tout. Oh là, pas du tout. Moi, je parie rien avec les viewers. Ça stream hack et tout. On peut pas aller dans son château? Ah non, on peut pas. Ah, c'est chiant. Donc comment vous faites pour attaquer le château d'un mec en particulier, en fait? Genre, si je fais attaque... Peut-être faut changer de zone. The friend zone. Ah, la friend zone. Ben voilà, c'est là. Jundananas! Tiens, allons voir le château de Jundananas, qui est une nanachor, pour info. Allons voir! C'est parti! Zerator, Jundananas, parfait. J'y vais. Oh mon dieu. Cyclone, niveau 4. Alors elle a déjà un château de ouf, parce qu'en fait... Tiens! Voilà, j'ai carru là. Parce qu'en fait, elle a masse truc, et il joue à mort. Jundananas, est-ce qu'elle est sur le live? Est-ce qu'elle veut prendre sa défense? Oh putain de merde! Oh! Meurs! Ok. Faut pas mal kite quand on est un archer, c'est un peu relou, mais... C'était un peu relou, hein, mais bon. Toi, tu vas mourir, toi. Allez, meurs. Bon, en fait, c'est bon quand on a la technique. Alors, les cyclopes sont quand même plus faciles que les chargeurs, là, les... Donc voilà. Mais sinon c'est pas mal. Stun. Ouais, j'ai stun. Alors là, il y a des petites mines collantes. C'est un peu relou, mais c'est comme ça. Ça prend quand même à l'attente. Oh putain, mais il y a masse de trucs. Elle est méga riche là, la Jundananas là. Meurs. Oh, une mine collante, fuck. Excusez-moi. Meurs. Bon, c'est quand même pas très dur, c'est dommage. Enfin, dommage. Disons que. C'est dur de faire un château impossible à piller au départ, c'est même impossible. Donc c'est un peu dommage. Meurs. Après, il y a le compte à rebours.
Pourquoi ça crée des mobs? Ah, c'est lui! Le chaman! Galetto! Très bien. Donc là, j'imagine que c'est ouvert. Eh, vous voyez, j'étais juste, hein? Combien de temps? 25 secondes. Putain, c'est chaud. Paf! Et donc là, coffre. Ouais, victoire! Bon, désolé, Jun, hein. Sans rancune, hein. C'est juste que... Donc voilà. Allez, je mets 5 pouces! Les potes Nanachor. Désolé, mais c'était pour test. Allez, sans rancune. En plus, moi, c'est bien, je suis impillable. Comme je suis un streamer, il y a des gens qui vont me piller all time. Donc ça va être genre... Il va falloir avoir de la chance pour me... Pour me piller. Mais pourquoi il n'y a personne? Ah, parce que c'est que les châteaux de mon niveau que je peux attaquer, peut-être, non? Ah, mais elle avait un gros château, pourquoi? Pourquoi lui, il a écrit 5? Je comprends pas. Le mec est niveau 5, c'est ça? XP 122, XP 586. Ah, mais il est déjà pillé, ils sont déjà... Quand ils ont le bouclier, ça veut dire qu'ils ont déjà été... Ah non, c'est juste pour attaquer. 667, non mais genre lui. Lui, ça déchire, par exemple. Ça déchire. Pas moyen d'être intelligent et de faire des combats, c'est juste le plus gros farmer qui aura la meilleure def. Ouais, j'ai l'impression, mais ça me gêne pas. Si tu veux faire du PvP, tu joues à Diablo 3. Ah non, pardon. Ah, trop marrant, le mec. Trop marrant, le mec. Ok. Donc lui, il a des tonneaux qui marchent. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ok. Il a des doubles tourelles enflées. Alors ça, c'est complètement useless. Je trouve. Dit-il en se prenant une flamme dans la gueule. Ah, ça, c'est pas mal d'avoir mis des crapauds à côté des flammes, là. Je trouve ça assez, assez brain-head. Bon, ça, c'est complètement useless également. Jamais je ne prendrai ce piège-là, vous m'entendez? Jamais. Oh, putain. Ok, en fait, je vais peut-être le prendre. Tiens. Tiens, toi aussi. Tiens. Oh, lui, c'est le chaman Galetto qui ressuscite les squelettes. Ah, mais en fait, je me fais déboîter la gueule depuis tout à l'heure, j'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on va attendre que tout se recharge. On va faire ça. Putain. Oh, putain, c'est des fucking... Des chargers. Tiens! Tiens, die! Die! Oh, putain de merde! Meurs! C'est bon, il est mort! Oh, les mines collantes! Fuck my life! Tiens! Ah, oh, j'ai raté. Oh, y'a Mass Shaman! Attendez, attendez. Là, c'est du sérieux, là. C'est bon, j'ai tué deux chamans. Putain, je me prends toutes les mines, je suis un naze. Il reste des chamans, c'est ça la grande question. Oh, vite, de la mana. Parfait. Ah, mais il y a des archers squelettes. C'est pour ça que je me fais des boîtes. Oh, il était chaud, ce château, là. Putain. Eh, il était chaud. Non? Vous trouvez pas? Comment ça, adieu, Zera? Il va die. Non, mais trop pas. Ah, merde, il était protégé. Oh, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce que, franchement... Franchement, il était chaud, quoi. Voilà, bravo. Il était chaud. GG, c'était chaud. Petit commentaire sur Chatal. Ok. Donc là, attends. Là, j'ai 800. Ok. Donc je vais tester la fameuse arbalète dont vous me parliez tout à l'heure. Alors là, il y en a qui vont me dire oui, non mais prends l'autre truc, machin. Non mais attendez. Je teste juste. Il y en a qui vont me dire non mais prends 5 à 9, machin, c'est bon, j'améliore pas tout de suite. D'ailleurs, ça devrait être fini, non? Ah oui, mais faut que je fasse ma forge niveau 2. Et pour ça, il faudrait que je fasse forge améliorée. Mais ça coûte de l'argent, c'est ça? Ouais, c'est beaucoup trop relou. Alors attendez, je me fais une arbalète. Donc en effet, ça a l'air d'être du farming, hein, principalement. J'en ai bien apprécié. Niveau 1 à 4. Donc vous me conseillez ça, la double arbalète. Je vais tester, hein, je regarde. Je regarde ce que c'est. Alors attends, je vais essayer de vendre. Comment on faisait? Ah, ça, j'en ai pas. Protection physique, protection... Non, c'est de la merde, je perds du dégât. Ça, c'est de la merde, je perds du dégât. Alors si je fais ça, shift-click pour vendre. Ah, mais ça les équipe. Bon sang. Bon, du coup, je suis obligé de drag and drop. Regardez, je suis obligé de drag and drop ce truc. Bon, l'interface lag un peu, c'est assez affreux. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc là, hop, double arbalète de la muerte, manchette de copiste. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Go attaquer Junia, go attaquer machin. Zerator, quand tu as le boubou, c'est qu'il a été pillé et qu'il a une protection quelques heures pour protéger son butin. Ouais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. J'ai compris le truc. J'ai compris l'astuce.
attaque. Allez, on va attaquer. On va attaquer. Lui. Alteror. 2 si vous gagnez, 2 si vous perdez. Très bien. Ça me semble safe. Après, j'ai pas très bien compris comment on attaque quelqu'un de son choix. Oh putain de merde. Ah ouais! Attendez, j'ai pas pu bien tester. Fuck. Meurs. Oh fuck. Voilà. Hop. Fuck là. Mourez, Viastico. Bon, j'ai pas très bien vu l'efficacité. La cam. Yeah. J'arrive. Ah, attendez. Hop. Oh, y'a Mass Shaman. Oh, ça va être chaud. Oh putain. Les chamans. Voilà. Très bien, les chamans sont dead. Non, il en reste un. Mais bon, je l'ai OS. Alors, faut oublier qu'il y a un compte à rebours, bien sûr. C'est le principal truc. Non, mais je pense qu'en fait, ce jeu, au départ, ça vous semble un peu naze, en mode mass farming et tout. Mais après, avec des attaques de château, ça doit être pas mal. Puis c'est un concept assez novateur, finalement. Enfin, novateur, moi, j'avais jamais vu un... équivalent. Après, il y a sûrement des équivalents qui existent, parce que souvent je dis ouais, c'est novateur et tout. Et un mec qui me dit mais non, il y a le jeu sorti en 1974 là qui était vachement mieux. Oh, pas de commentaire sur la date. Mais en fait, là je vais mourir, je pense. Là, je pense que c'est la fin, honnêtement. Stun! Mais si je stun, je me fais assommer par un autre. Ah! Mon dieu! Oh non, j'avais évité, t'es pas sérieux. Oh, j'ai all-in complet. Oh la vache. Oh, c'est la merde. All-in. Oh putain, c'était chaud. Oh putain, des tonneaux qui marchent. Vous voyez là, par exemple, je trouve ça chaud. Bon, après, c'est parce que je suis naze, probablement, mais... Allez, mouais. Par contre, mon arbalète, je sais pas si... Enfin oui, elle doit être mieux, puisque vous me l'avez dit, vu que les viewers disent la vérité, mais... Oh merde. Allez, dépêche-toi, y'a plus de temps! T'as la clé! Sors! Hit and run! Allez, go! Combien de temps passe partout? Oh putain, j'ai win! Ouh! Alors là, il était déjà payé, alors là, vous êtes deg! Mais alors, est-ce qu'on peut pas savoir? Putain, hey, c'était trop chaud! C'est trop chaud, j'ai gagné à genre 2 secondes! Trop chaud! J'ai gagné. Attends. J'ai gagné à genre 2 secondes! Alors, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de savoir si le mec est sous bouclier ou pas? Parce que bon, vous l'attaquez, vous vous dites ouais, machin. Ce château est presque vide. Ah si, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça en fait. S'il y a déjà pillé, il y a un bouclier. Ah d'accord, donc ils sont tous pillés en fait. Mais Jun Ananas, je l'ai pillé, il n'y a pas de bouclier. Ah si, maintenant il y en a un. Ah lui aussi. Lui non. Lui non. Lui aussi. Non, je sais pas. Go! Lui, il n'y avait pas de bouclier! J'y vais. Le gros bouclier en fer. Ouais, mais comme ils l'avaient tous, je me suis dit, ça va pas être ça. Au début, je me suis dit, ça doit être... Ah, c'est ça, machin. Et après, je me suis dit, bon, bah, ça va pas être ça. En fait, c'était quand même ça. Très bien. Parfait. Bon, ça, c'est un château level 2, donc je pense que... je pense que le mec... mec a zéro défense. Voilà, die. Très bien, le mec a 2 mobs dans son château. Parfait. Voilà, cordialement. Très bien, c'était très difficile, merci beaucoup, cordialement. Ouais, des mines collées. Ouais. C'était très dur. Non, mais c'est juste un... Ça, vous voyez, bah, c'est un château d'un mec qui vient de commencer, quoi. Et alors, attendez, question. Comment tu vas piller, saloperie, tu vas payer, Zerator. Jun Ananas. Alors, en fait, question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe si j'entre dans un château, je suis en train de le piller, et pendant ce temps-là, le mec finit son run dans le château du mec que je suis en train de piller? Est-ce que je pourrais quand même le piller, ou est-ce que, genre, il est possible que ça le protège pendant mon run? Voilà, question pour vous. Bon, ça, pas de commentaire à faire, c'était juste un château. Voilà. Donc si vous avez compris ma question, essayez de répondre. Web, tu le pilles.
D'accord. Oh merde, 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 merde. Wouh. Die. T'es sérieux avoir mis tes mobs au tout début, toi, mon gars? M'étonnerait que ce soit Worthy. Rien capté à la question. Ok, je me suis déjà fait biller deux, voire trois fois en même temps. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. Tu l'as dans l'os, quoi. Fake. Ah, c'est marrant le bruit. C'est assez. Ah, stylé cette. Stylé cette architecture. Moi, ça m'a l'air d'un jeu assez prometteur, mais bon, c'est vrai que quand vous êtes dans les premiers niveaux et tout, ça doit être un peu naze, j'imagine. Donc voilà. Ah, c'est fini. Ah, il a tout mis au début. Il a all-in au début. Très bien. C'est pas con. C'est pas bon pour ça, Zera. Si tout le monde te pille en même temps, la protection ne servira à rien. Mouais. Mouais, 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 mouais. Là, j'ai combien de gold? J'ai 700 gold. Easy. Le mec, le gros bâtard. Et donc là, en fait, attendez. Genre, je carte de la région. Si je retourne dans la friend zone, j'ai encore les mêmes, d'accord. Donc comment je fais si je veux attaquer quelqu'un, précisément? Genre, si je veux taper le pseudo, je sais pas, moi, de Panactis, par exemple. Comment on fait? On va dans compétition? Non, rien à voir. Rien à voir. Bon, ça, si vous arrivez à me dire comment on fait... Je serais assez friand de cette astuce. Niveau 238. Ah non, il a tué 238 mecs, mais il est level 7. D'accord. Tu vas dans la liste d'amis, je crois. Trouver un joueur. Panactis. Oh putain, c'est une recherche comme ça. C'est trop mal fait, ça. Ouais, ensuite, on fait quoi? Attaque. Ah ouais, d'accord. Bon, Panactis, il doit être blindé, j'imagine. Enfin, je veux dire, il a dû se faire piller 10 000 fois. Donc, Panactis, pas de chance, hein. Il doit avoir un château chaud, lui. Chaud du slip. C'est de la merde, Panactis, tu te fous de ma gueule avec ton piège là au début du château. Là. Ah, c'est chaud! Ah, mais Panactis, tryhard! Oh putain, la merde! Tu te fous de ma gueule avec ton piège qui va être utile? Ah, ouais, d'accord, c'est à dire qu'il y a des. Oh, il a trop bien joué! Ok, ok, ok. Ça déchire. GG, Panactis. Full GG. C'est à dire qu'en fait, vous comprenez ce qu'il a fait ou pas? Il a mis des robots qui protègent ces gros porcs. Et si vous tuez, tant que vous tuez pas les robots en fait, eh bien les gros porcs sont immortels. Donc c'est chaud hein. Et donc là évidemment ils se mettent devant. Ah c'est super bien, je vais faire pareil dans mon château. Je pense que tout le monde va faire pareil. À mon avis Panactis va créer un genre. Donc là je suis en train de me faire déboîte. Ah, il est probable que je meure dans ce castle, sachant que je n'ai plus de potions. Alors là j'ai tué un premier robot qui protège. Ah il est pas protégé, on peut y aller. Voilà, bien, il est mort. Bien. Après, faut que ça protège le bon, c'est ça qui est un peu dommage. Allons-y, alors est-ce qu'il a tout claqué là-dedans ou est-ce qu'il y a de la défense derrière? Ça, c'est ce qu'on va voir. Je pense qu'il y a masse défense derrière. Ok, là, il y a des trucs. Bon, ça, ça va être facile. Voilà. Le fameux cycle DPS 1, 2, 3. Aïe. Aïe. Voilà. Lance-toile. Très bien, très bien. J'ai un lance-toile, c'est parfait. Ok, bon ça c'est de la grosse merde, hein. Ce piège est complètement useless. Ah mon dieu, je l'ai... On s'est assommé en même temps. Fuck my life. J'y vais, j'y vais. Hop. Hit and run, meurt. Bon par contre j'aurai pas le timer, hein. J'ai l'impression là, la salle des coffres de Panactis sera infaisable à mon avis. Ah il a tryhard le jeu Panactis, hein. Il a masse truc dans son castle. Oh putain des chamans. Alors attendez. Attendez, attendez. Hop. Oh putain de merde. Il y a masse truc. Masse chamans, ils sont bien regroupés, c'est bien. Un peu con. Je pense qu'il y en a plus. Eh, je peux peut-être la voir. La salle des coffres, attendez. Oh merde. Ce tir d'arbalète sera-t-il... sera-t-il décideur? Oh! Oh! Oh putain! Vous avez vu, je l'ai eu à que dalle. Hein. À combien? Ah non, ça a fait. Bon, je vais ramasser les golds. De toute façon, il est déjà pillé. Voilà, je ramasse les golds. Ah, je l'ai eu à pas beaucoup, hein. Prends la clé. Ouais, ouais, faut que je prenne la clé. Faut que je prenne la clé. T'as plus le temps, Zerator, cours. Mais on peut pas courir. Alors, je crois que ça m'a défoncé quand même. Mais de toute façon, il était déjà pillé, j'ai vu. Donc, c'est pour ça que j'ai pas run sur les coffres. Fallait entrer dans la salle. Non, mais il était déjà pillé, hein, évidemment. Normal. Allez, 5 pouces. C'était bien chaud. Donc bien joué. Voyons voir. Médecin.
et ça va me faire prendre mon level. Donc ça c'est les châteaux verts, c'est les bots, donc il vaut mieux faire ça au début je pense, pour farm. Ouais, ouais, ouais. Gant planque de vermine. Gant planque. Meurs le chaman. Meurs le squelette. Meurs le squelette. Non mais, au pire. Oh, je fais de la merde. J'ai plus de potions là, c'est vraiment la dèche. Il faut que je me refasse du stuff. Et alors qu'il est 23h30. Et qu'après ce château, nous ferons une petite pause. Voilà, XP maximum. Et alors, est-ce que là, je peux live en plein milieu d'un château où ça se fait pas trop, c'est pas très manœuvre et tout. Genre si je fais échappe. Fuir. Ah ouais. Mais si on fuit, on a peut-être un... Bah vous savez quoi, je vais le faire, comme ça je saurai ce que ça fait. Fuir. Ouais, ouais, il est bien. Fuir. Ça fait rien. Ok. On va faire la petite pause. On se trouve juste après pour améliorer le héros. Dans deux petites minutes, je vous dis à tout de suite. Eh bien, mesdames et messieurs, voyons voir. Une seconde, voulez-vous? Une seconde. Qu'est-ce que... Oui, non, rien en fait, Osef. Alors, voyons voir. Nous avons la possibilité d'améliorer notre héros ici, nous l'améliorons. Améliorer. Nécessite entraîneur de niveau 2. Ah ben oui, donc non, pas du tout en fait. Donc là on fait améliorer entraîneur de héros, ça va nous prendre 30 minutes, c'est bien relou. On va faire la même chose pour le bureau de l'architecture, on va l'améliorer, ça va nous prendre 30 minutes, c'est bien relou. Tous les ouvriers sont occupés. Ouais, non, c'est bon, on n'a pas que ça à faire, on va aller piller les châteaux, je vais pas libérer des trucs. Portail d'invocation amélioré, 300, une minute. Ouais, non, ah ouais, non, d'accord. Ah ouais, c'est-à-dire que je peux pas du tout, il faut terminer le truc, 15, ouais, go. Pay to win. Alors, voyons voir, le saviez-vous, Zerator est le nom d'un personnage dans Power Rangers? C'est pas vrai. C'est vrai? Si c'est vrai, c'est trop marrant. Si c'est vrai, c'est trop marrant. Si c'est pas vrai, meurs en enfer. Améliorer 6000. Nice. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors attendez, je vais aller chercher de l'équipement là. Niveau supérieur pour héros. Tac. Ça coûte quand même 250, c'est relou. J'ai appris quoi? Rouler avec grâce dans une direction et par-delà les créatures pendant 2 secondes, vos chances de bloquer augmentent de 300%. Très bien, c'est un dash. Ok, j'avais des missions là, j'ai pas vu ce que c'était vraiment. Roulade, ok. Roulade, on va le prendre à la place peut-être du stun. C'est difficile d'avoir si peu de spells, mais j'aime bien, c'est intéressant. Vous avez plusieurs builds que vous pouvez faire. Alors évidemment, il y a déjà des mecs qui doivent être là. Non, mais le meilleur build, c'est ça. Le meilleur truc, c'est ça. Mais ça, c'est normal. Forge. Créer de l'équipement.
Nous allons 10 chances de dégâts critiques. Ouais, non. Oh, c'est quoi ça? Ah ouais. Ah mais non, c'est mon ancienne. Putain, qu'est-ce que je suis con. très bien. Vendons ça. T'aimes bien le jeu, Zera? Ouais, j'aime bien. Votre château est magnifique. On raconte que de nombreux châtelains ont acheté un labo de recherche pour faire des expériences génétiques. Le bureau de recherche. J'étais en train de faire des trucs, fuck ta life. Achat 50. Ouais, vas-y, ouais, mettons-le là. Très bien. Formidable. Pour améliorer la spécialité des créatures de l'aide du labo de recherche, n'oublie pas de l'utiliser très souvent. Quoi? 4... Ah, 3, 2, 1, c'est revenu, vous avez vu. Recrute un ouvrier supplémentaire, Zerator. Ouais. Le labo de recherche est prêt, je vais vous apprendre à spécialiser une créature. Très bien. Sélectionnez le labo de recherche. Ça, c'est bon. Recherche, ça, c'est bon. Ensuite, Cyclope, info. Charge offensive. Ah ouais. Ça, c'est bien. Sélectionnez une spécialité, un choix disponible. Faut terminer, fermer la fenêtre en cliquant sur X. X. Bon boulot, ne soyez pas timide, revenez souvent pour faire de nouvelles expériences. Alors, je vais aller voir. Alors, vous m'avez dit de recruter un machin qui... Quoi? Je sais plus. Donc, ça fait quoi si... Ouais, ok, on peut pas les améliorer tout de suite. Alors, on a point au sol, point de la colère. Ouais. Le mieux à faire, c'est de up le portail de créature et de prendre le boss direct au lieu de mettre des petites bestioles. Je pense qu'il y a plusieurs théories, chacun a la sienne, comme souvent dans ce genre de jeu. D'accord, donc les crapauds et tout, bon c'est un peu useless. Ah oh, c'est rigolo ça, Scorpio. Il y a des trucs pas mal, un pilonneur, un ophtalmore, parfait. Seigneur, terroraptor, parfait. Portail d'invocation niveau 8, chaud. Ça me paraît intéressant. Alors je regarde un petit peu actuellement, labo de recherche. Ah la mine d'or. Yeah, une deuxième mine d'or. Un peu useless. Mais bon, c'est pas grave. Alors voyons voir. 5. Pourquoi ça fait 2 fois 5, 4, 3, 2, 1, 0? Vous croyez que ça bug? Est-ce que vous pensez que ça bug? Peut-être que ça bug, je ne sais pas. Bâtir. Mine de force vitale. Tac. Mais la force vitale, j'en ai masse. Donc il faut que j'améliore, c'est ça? Ça coûte de la force vitale améliorer, c'est ça? J'ai vu ça, non? Tout à l'heure. Ah ouais! Donc on peut améliorer, go! Ouais, ok, niveau 2, Osef. Ça aussi, améliorer. Ouais, niveau 2. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est totalement worth it d'améliorer. Il faut farmer les donjons PNJ. Oui, je sais. Il te faut énormément de gold pour... Ouais, je sais aussi, j'avais compris. Distiller des potions. Grande potion de soin. Achat. Très bien. Nous allons augmenter la distillerie. Améliorer. Ça coûte 500, je pense. 30 minutes. Ah! J'aurais peut-être dû améliorer un bâtiment un peu plus utile, genre la forge. Mais c'est pas grave. Non, mais au pire... Au pire, je finis l'autre. J'ai pas assez de gold. Je peux pas finir l'autre avec la monnaie virtuelle de la mort. Ok. Bon, mesdames et messieurs, il nous reste une vingtaine de petites minutes à passer ensemble. Voilà, que nous allons terminer tranquillement sur ce jeu, n'est-ce pas? Un réserve de force vitale, ok. Bon, ça, c'est... Si jamais après, vous pouvez faire des grosses améliorations, ça va être un petit peu obligatoire. Ah, c'est mal fait, regardez, ça scroll mal le truc avec le timer. Ok. Osef. Alors défense, qu'est-ce qui se passe dans la défense? Donc on m'avait dit qu'on pouvait voir... Vous m'avez dit quoi déjà? Qu'on pouvait voir dans le compte-rendu le replay du mec qui vous a attaqué, c'est ça? C'est ça que vous m'avez dit? Moi je crois que c'est ça que vous m'avez dit. Alors l'interface rame un peu, mais bon après j'en prends un petit peu plein la gueule entre les attaques, les demandes d'amis, les trucs comme ça. Donc je pense qu'il n'y a pas de limite pour l'instant d'amis, donc pour l'instant j'accepte tout le monde. Il y a 530 mois. Ah ouais? Ah ça fait longtemps que je joue à ce jeu alors. Alors compte-rendu. Non, ça c'est les notifications. En fait, prendu, ça rame à mort. Votre défense a gagné. Rediffusion. Bourakra qu'il a perdu. Rediffusion. Il a perdu. Alors voyons voir comment cet homme a pu perdre. Face à ma défense sensationnelle, visiblement il est à poil. Il vient de télécharger le jeu, il est level 1. C'est cool qu'il y ait des rediffs, je trouve. Ça, vous voyez, je trouve ça vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà. On y va. Très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a l'air très fort, en tout cas pour éviter les mines collantes, ça, il a l'air très balèze. Ah oui, forcément! Ah oui, d'accord. Ça va pas du tout. Ça. Et voilà, il a perdu. Incroyable. Vengeance! Attaque. Ah, mais il a un bouclier. Ce château est en posture défense. Osef, complet, on y va.
Voilà, go, go. Et là, d'un coup, die. Ah, ah mais j'ai quand même les attaques pendant que je... Oh putain, mais ça m'a l'air chaud en fait, j'aurais peut-être... Ah, j'avais plus le... Oh mon dieu. Oh, j'avais la roulade, j'avais oublié. J'avais oublié. Fuck my life. Ah ah. Meurs, meurs. Ah, ils se protègent entre eux, c'est tellement relou. Ah, c'est beaucoup trop relou. Le 2, s'il vous plaît. Voilà. Oh putain. Ah, ce château. Ah, je suis mort. Mais je suis full life. Je suis full life. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai plus de vie, ça y est. Vous avez perdu. Ah, très bien. Ressaisissez-vous et reprenez le combat contre 100 pièces d'or. Bah non, je vais fuir. Bah déçu, j'ai pas très bien compris. Je suis mort full life. Fuir. Après c'est une bêta, des fois ça bug, c'est comme ça, c'est normal. C'est normal. Ok, on va attaquer des trucs. Je croyais que je l'avais déjà pillé ce truc. Non? Ah oui, parce que, d'accord, je sais pourquoi. Parce que j'avais fui, je crois, héroïquement. Le jeu n'a pas compris comment Zerator a pu mourir, il a crash. Ce jeu n'aime pas la mort. Alors par contre, c'est un jeu assez faible en ressources. Enfin, assez faible en taille. Il demande vraiment pas beaucoup de place sur le disque dur, je crois. Parce que je l'ai téléchargé assez rapidement avec la connexion NAS qu'on a ici. Donc, c'est... Voilà. Je trouvais ça assez intéressant. Mourir. Yeah, die. Die. Alors, si la programmation bug, donc il n'y a pas de pixel barbecue à midi, mesdames et messieurs, vous pouvez actualiser votre page. Donc, CTRL F5 ou F5. Et ça vous mettra la vraie prog normalement. Oh merde. Oh merde. Bah alors, je voulais passer à gauche en voulant les éviter, mais ça n'a pas du tout fonctionné. J'ai full fail. Je suis naze. Meurs. Meurs. Piouf. 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 Voilà. Bon, j'ai pris une popo, hein. Mourez. Le chaman. Il faut tuer les chamans. Mais aïe. Je me fais tellement mais défoncer la gueule par les archers squelettes. Les archers squelettes. Le truc qui fait le plus mal au monde. Ah, je prends des potions mais ça fait plus rien. Ah si, mais ok. En fait, il y a un lag sur la vie. Je pense que tout à l'heure, je me suis fait one shot. Et que là, je vais mourir en fait. Oh, ok, je l'ai OS. Très bien. Tiens, tiens, mourez. Voilà, meurs, 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 meurs. Ça m'arrive souvent, il y a un lag sur la vie, Zerator. Ok. Là, j'ai brain les pièges en faisant ma roulade. Du coup, j'accède à la salle des coffres. Donc c'est quand il y a le petit pouf que vous avez votre homme. Vous savez, le petit pouf que vous avez accès au coffre. Vous voyez ce que je veux dire? Où est-ce que je veux dire? Ah, ça bug, il n'y a pas le truc là. En fait, je crois que toute l'interface bug là, non? Je crois que toute l'interface rame un peu. Ouais, je crois. Hein. Je crois qu'il y a des petits bugs. Peut-être parce que je reçois trop de demandes d'amis ou de trucs comme ça. Monsieur Dragounou. Dragounou. Ok, donc lui c'est bon. On a la chasse aux gobes, la opération arche. Donc dans chasse aux gobes, il doit y avoir plein de gobelins, j'imagine. Vous avez vu comme je suis perspicace un peu? 23h44. Mon château, c'est parce que j'ai acheté l'archer, donc j'étais niveau 1. Acheter l'archer? Tu veux dire le mage, non? Parce que l'archer, c'est... Ah non, tu veux dire que t'avais le guerrier et t'as acheté l'archer, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? C'est ça ou pas? Tu es trop rapide pour l'interface. Ça doit être ça, vous avez raison. Donc voilà. Donc après moi, ce sera Narcus, hein, j'étais en train de vérifier pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Ce ne sera pas le pixel barbecue ou je sais pas quoi. Ce sera Narcus, bien sûr. Donc voilà. Le jeu ne tourne pas sur mon PC alors que je fais tourner BF3 en qualité maximale. Oui, ça s'appelle une bêta. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des bugs sur des machines sans raison. Ah, là, il y a un petit château à l'extérieur. C'est sensationnel. J'adore. J'adore ce château. Non, j'aime beaucoup ce château, honnêtement. Je trouve qu'il est...
assez intéressant. Il a une architecture qui m'a tout de suite séduit. Ah d'accord, parce que ça fait tac tac, c'est ça la double arbalète, je viens de comprendre à l'instant. Donc, tac. Mais en fait ça sert à rien, ça sert que pour clic droit. Ah ouais non, j'aime pas. Je préfère l'arbalète normale. Mourez ! Mourez tous ! Putain de tonneau qui me suit de merde ! Meurs chaman à con ! Mon cœur est un chaman. Non pardon, est un chaman. Vous avez vu, des fois mes spells disparaissent dans ma barre de sort aussi. Il y a ce bug. Meurs. Ouais, c'est dommage parce qu'il y a des petits coups de lag en effet sur le jeu. Ah, mais je drop là! Ah, mais attendez! Attendez. Ah, mais j'ai eu des drops, excusez-moi. C'est peut-être pour ça en fait que mes sorts disparaissent parfois. Oh fuck! Oh putain, ils m'ont défoncé la gueule. En fait, les archers squelettes, ça fait juste trop mal. Et tout à l'heure, dans le château de monsieur qui nous a défoncé là. Il y avait genre 4 archers squelettes, je pense qu'ils m'ont OS et le jeu a pas eu le temps de réagir et donc c'est pour ça que il y a eu un lag, vous voyez ce que je veux dire. Le problème de ce jeu c'est qu'il est fun à découvrir mais après ça devient vite du farming bête et méchant. En fait peut-être que le problème de ce jeu c'est que le farming est trop lent, c'est-à-dire que on monte pas les niveaux assez vite peut-être. Donc c'est peut-être ça le souci. Ok, oh putain alors là la vache. Là je vais vous dire il y a du gros château là. Lui il est en bouclier. Lui il est en bouclier aussi. Donc quand vous attaquez, il y a un petit bouclier qui apparaît, vous voyez. Genre lui il doit être en bouclier parce qu'il est level 5, voilà. Lui aussi, c'est ça. Ok, très bien. Je vais être obligé d'aller dans le truc level 7 où je vais me faire OS. Ça va être totalement génial. Et ça va être génial. Bon alors, une seconde, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ok, c'est parti. Chasse aux gobtous. Ah non, c'est des gobtous, c'est pas des gobelins. Meurs. Oh putain. Oh, c'était de la merde. C'est parti. On y va. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? C'est une connerie. Ok. Voilà. Non, mec, t'es pas sérieux. Meurs. Ouais, je sais pas si j'en referai en stream quand même, je peux comprendre que c'est pas très... Ou peut-être pour finir un stream de 5 minutes à la limite. Mais c'est vrai que à regarder, ça doit pas être ouf. C'est du farming. Ta-da-da-da-da. Mais après, je pense qu'à haut niveau, ça peut... Enfin, à haut niveau. À haut farming, ça peut être intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, voyons voir. J'arrive. Hop. Voilà. Voilà. Très bien. Oh merde! Non, je voulais pas faire ça! Oh la vache, c'est la fin. C'est la fin de... La fin des temps. Là, pourquoi c'est la fin? Très simple. Ah non, ça va. En fait, le mob ne protège pas. Mais en fait, je régène pas ma mana du tout, là, c'est ça? Ah si. Oh, c'est bon, je l'ai eu. J'ai eu de la chance. J'ai eu maxi chance. Voilà. Paf. Ouais. Je recharge ma mana, ça déchire. Attention. Voilà. On y va. Et je suis en train d'avancer pour aller sur la droite. Mais en fait, ouais. Ah ouais. Bon, le truc qui est pas de map. Après, il faut voir comment évolue le jeu, c'est-à-dire que s'il y a une grosse carte, à chaque fois... Ah, c'est le truc qu'on a vu, là! Ah d'accord, il vous envoie des... Okay. Très bien. Mais je l'aurais jamais, le timer de ce château, là, c'est une blague. Oh, fuck my life! Ouais. Bah écoutez, je pense que c'est dead pour le timer. Je vais essayer, mais... Ah non, c'est mort. Quoique... Ah non, c'est mort. Ah merde.
De peu. Non, pas de peu du tout. Peut-être que si je les avais fightés au fond de la salle, ça aurait fonctionné. Dommage. Alors ça s'est pas verrouillé pile quand je suis arrivé. En fait, je l'avais déjà perdu depuis un sacré bout de temps. Donc dommage. 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 Ce DPS. Ouais. Tu régènes la mana quand tu tapes avec les attaques de base. C'est vrai? C'est vrai? Mais faut me dire ça au début. Hein. Faut me dire ça au début parce que sinon, c'est une catastrophe. Si les niveaux montent vite... Mais si les niveaux montent vite, le contenu va manquer, Zerator. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est un peu différent. Donc on va voir. Alors voyons voir. Récompense. Chasse au Gobtou pour découvrir la récompense. Ça rame. Ça rame. Ça rame un peu. Évaluer le château. Ouais. Bon, ok, je l'évalue pas. Ah ouais, si, je suis obligé de l'évaluer. C'est parti. C'est génial. Alors, voyons voir. Bon, du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois le refaire. Parce que là, est-ce que ça l'a vraiment... Ah, ça l'a quand même... D'accord. Je suis level 6. Mais du coup, je suis obligé de pex en tuant des gens. C'est gênant. Et là, si je retourne dans la friend zone maintenant... Si je retourne... Ah, j'ai encore les mêmes. C'est dommage. Mais en fait, je peux attaquer qui je veux si jamais je... Si jamais je... Comment dire? Zerator, demain 20h minuit. Ouais, 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 tout à fait. Demain 20h minuit, retrouvez votre serviteur. Mais je pense qu'en fait, là, l'interface rame vraiment parce que les gens me chain attack. Je pense que c'est ça le vrai problème. J'accepte vos demandes d'amis. Les gens me chain attack et j'ai des floutes de demandes d'amis et tout. Donc je pense que c'est pour ça. Classement. Ah, c'est quoi le classement? Ah, il y a un classement. Ah, très intéressant. Alors, couronne, c'est quand vous arrivez à te faire tomber un château, c'est ça? C'est ça, hein. Je pense. Enfin, bon. Alors, qui est, par exemple, le premier? Toutes les zones géographiques? Ok. Les premières pages. Ah, très bien. Donc, lui, là, a tué 99 779 châteaux. Donc, j'imagine que c'est un développeur. C'est un Français, évidemment. Et que ça a fait. Est-ce qu'on pourrait l'ajouter en ami, peut-être, cet homme? Il est level combien? Il a des 3 trucs niveau 30, niveau du château 32. On va l'attaquer immédiatement. Ce château vous surpasse de 2 niveaux ou plus et risque d'être difficile à piller. Voulez-vous vraiment l'attaquer? Tout à fait! On va l'attaquer. Ah! Alors. Nous sommes les Néphalim, les anciens. Ok, très bien. Est-ce que je vais me faire OS par le premier mob? Oh putain. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah! Esquivez! D'accord! Donc il y a une unité qui grabe et une unité qui te défonce. Tu vois ce que je veux dire? Le château du mec qui a claqué 1000 euros dans le jeu. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Je trouve ça cool. Ok. Moi, personne m'attaque. Perso, j'ai pas d'amis, personne m'attaque. Bourracrac. Bourracrac, personne ne t'attaque avec que des K. Bourracrac. Eh ben écoutez, attaquez Bourracrac. Donc, ok. Allez-y, attaquez Bourracrac. J'espère que ce sera bien. J'espère qu'il aura de la compagnie, puisqu'il nous dit j'ai pas d'amis, personne m'attaque. Donc, y a pas de soucis. Quand ça commence à bugger, faut décoroco, ça buggera plus. Ouais, mais s'il faut faire ça toutes les 2 secondes... C'est un peu relou, non? C'est Bagdad, son châtal. Ah, la vache, la vache. Alors, une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Narcus. Oui, eh ben. Narcus, ce sera juste après, dans 4 minutes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pendant 4 minutes? Tabouracrac dans la friend zone, Zerator. Ouais, mais il est déjà pillé son château, donc c'est pas vrai. Parce que tous les gars que j'ai dans la friend zone... Et du coup, s'il y a la meuf avec qui vous voulez sortir dans la friend zone, est-ce qu'on peut considérer que... Enfin bon, bref. Laissez tomber. Attaque. Il est où, Bourracrac, machin, là? Ben là, il est là! Tout le monde t'attaque, mec! Ou est-ce qu'il y a des gens qui lose face à nous? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah, lui, SNX! Plus 2. Nice! Nice! Rediffusion.
Je vais me venger, il est level 3. Erreur réseau. Quoi? Comment ça? J'ai plus de net? Qu'est-ce qui se passe? Ok, vengeance, on recommence. Oh, je peux pas. Il a supprimé son compte, il a full rage. Il a perdu, il a fait... Je me casse, laisse tomber, c'est de la merde. Ah, en fait, il a full AFK, c'est ça? Attends. x2. Ah non, il a pas full AFK. x8. Pause, lire. Ah, on peut pas revenir à la... Ah si. Voyons voir. Ah oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait, hein. Faut pas envoyer le faucon derrière, c'est sur les mains qui... Ah, très bien. Bon. 1, 2, il y a deux mecs qui perdent. 3, 4... Oh ! Sulivax, trop de puissance. Ah, il s'est suicidé, c'est ça. Tu t'es suicidé, Sulivax ? C'était pour qu'on regarde ta rediffusion, Sulivax, c'est ça. C'est ça, hein. Tu t'es mis tout nu, et t'es allé attaquer, et tu t'es suicidé. Bien. Très amusant. Ok, donc, on peut pas se venger, lui, il est level 3, là, putain, j'aurais bien vengé, là. Finalement, t'es pas si mauvais. Si, je pense que si. Je pense que si, mais y a pas de problème. Bouc à crack. Votre défense a gagné. Ben ouais, mais bon. Genjiro, niveau 9. Ah, y'a que guerrier ou archer, ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a un mage? Ah ouais, y'a un mage qui m'a attaqué, qui a perdu. Vengeance. Ah ouais, non mais niveau 17, le château, en fait, c'est un peu dead. C'est un peu dead. Hop, hop. Alors, une seconde. Hop. Voilà. Décoreco, je te dis, attends. Non, mais le temps que je décoreco, tu sais, mec, c'est un peu... C'est un peu trop tard, too late. En tout cas, bah, si vous voulez m'ajouter en ami, j'accepte. Je sais pas si j'y rejouerai tout de suite. Peut-être attendre qu'il y ait un peu de contenu, ou je sais pas. Mais j'ai fait quoi, là? Pourquoi j'ai eu un chat? What? Oh putain, chaque fois que j'accepte une demande d'amis, j'ai un chargement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette connerie de merde? Ok. Bon, mesdames et messieurs, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Je vais quitter ce jeu qui full lag apparemment. En tout cas, eh bien, j'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Ça m'a fait très beaucoup, super plaisir de restream. On est de retour et demain, on se retrouve à 20h pour un live. On sait pas encore à quoi on va jouer. On joue à ce qu'on veut de toute façon, c'est comme ça. Et voilà. Oui, j'ai vu le truc des Power Rangers, pas besoin de le fouder 8000 fois. Je sais pas pourquoi vous faites ça, c'est assez excessivement énervant. Bref, non, c'est Narcus qui va jouer maintenant. Narcus, si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur pro de League of Legends qui va faire, qui est son main role, qui est jungler. Parfois, il joue avec les viewers à la fin, évidemment. À la fin de son live, il joue avec des viewers, parfois. Donc, si vous voulez, eh ben, il n'y a pas de souci. Voilà, il va arriver dans deux petites minutes, Narcus, le temps pour lui de se préparer. Ensuite, vous aurez la ZTV Québec qui stream la nuit, et ça, c'est plutôt chouette. Mesdames et messieurs, je vous dis à dans deux minutes. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt sur la ZTV. Ou bonne nuit si vous restez avec nous sur la TV. Donc, voilà. Adieu !